Salut à tous les amis, c'est Danton Bullet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tekken 7 et je suis en compagnie de Downton Girl. On va se foutre sur la gueule, dit voilà, familièrement, certes, mais c'est un peu ce qui va se passer. On va faire quelques petits combats et pour la fin de cette vidéo, bah, écoutez, je vous réserve une petite surprise. Alors ce sera peut-être pour une vidéo à part, je ne sais pas. Je réfléchis encore, mais voilà, on va se taper dessus, c'est Jojo. On va satisfaire les choses refoulées au quotidien pour les mettre en œuvre sur un jeu vidéo. Bon, c'était beaucoup trop long. Voilà. Allez, c'est parti, tu choisis ton personnage. Bon, bah, tu veux commencer comme ça. On va commencer comme ça. T'es dégueulasse. C'est à toi. Après, si tu veux que les combats, parce que là le combat ne va durer que 2 rounds gagnants, mais si tu veux que le round soit en 3 rounds gagnants, il faut me le dire, hein, que je le paramètre. On verra. T'as qu'à prendre Warang tant qu'il y était. This should be fun. Round 1. Fight. Voilà, ça commence. Ah, c'est pas la même chose qu'avec mon beau-père, hein. Ah, voilà. Putain. Que si j'étais l'argent. Ah, celui-là, tu te l'es pris une fois. Oh là là! Non! Ce combat acharné. Hé, hey, je joue pas tous les jours. Mais moi non plus, et j'ai joué depuis moins longtemps que toi, ok? Bon, t'es le joueur 2, t'es celui qui s'est pris une branlée, donc tu choisis ce qui se passe. Sélectionner le personnage, revanche, sélectionner le niveau, voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais qu'à chaque fois, ce que j'aime bien faire entre chaque combat, c'est à chaque fois changer de personnage. Comme ça, je me cantonne pas au. Alors après, libre à toi, mais c'est sûr que si tu prends tout le temps le même personnage, bah, les gens qui regarderont cette vidéo, il y aura pas de spectacle, il y aura pas de beau jeu. Il est sérieux, mais t'es. Mais ça va être un beau combat! Oui, c'est ça, oui! Tu vas me défoncer! Ah, je prends l'équivalent. Je prends l'équivalent soit par rapport au personnage, soit par rapport au niveau que tu as avec. Direct, t'as voulu t'enflammer, t'as pris Nina, personnage que tu gères le plus. Je dis, bon, ben voilà, moi je vais. Je prends ouais, le... et alors? Vamos lá. Round 1. Fight. Ah, je suis pas, ah, tu vois? Ça commence à pas donner des coups de pied dans tous les sens. C'est dégueulasse! T'es sérieux? Moi je pensais qu'on n'utilisait pas ça, c'est pour ça que je l'ai pas utilisé avec Nina dans le premier match! Genre. Mais t'es sérieux? Mais genre! Mais c'est vrai! Ah, mais bien sûr, si tu veux qu'on l'utilise pas, mais fais. Crée pas des règles comme ça! Mais non, c'est vrai! T'as dit que c'était pas loyal de toute façon! Ouais, j'ai dit que j'aimais pas, après ça y est, donc je le fais! Après, si tu veux qu'on fasse des combats sans ça, moi pas de problème! Mais non, tant pis! Non, mais vas-y, pas de problème! Non, mais oui, voilà, ah, mais non! Ah, voilà, ça l'arrange bien, donc. KO.
Pourquoi tu t'en es pas servi? Mais parce que ça sert à rien. Quoi ça sert à rien? Mais parce que c'est pas du beau jeu. Ah bah vas-y, on fait une revanche, on s'en sert quoi. Mais non, non, c'est à partir de là, on s'en sert plus. Maintenant que le mal est fait, mais oui, allez. Bah écoute, je savais pas, t'inventes des règles aussi. Mais non, je peux l'utiliser. C'est bon, on peut l'utiliser. Allez. Bah, je m'en fous moi. Mais oui, je m'en fous. Ouais, bien sûr, je m'en fous. Merde. Ah. Oh putain. Yeah. Enculé. Non. 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 Dégage. C'est que si tu attends, je gagne. Hein. Ah, je vais jamais y arriver. Oh putain, et moi je me tourne. Ah putain, j'ai voulu me décaler, c'est pas passé. On n'utilise pas. Eh ben oui, mais tu l'as utilisé maintenant que le mal est fait. Je peux l'utiliser, non. Là, tu as foutu une branlée avec ton édit de merde là. Putain. Ah là 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 là. Ah. Ah, la branlée. Non. Ah. Ah. J'ai gagné. Putain. Ah, je suis pas bien là. T'es blasé un peu? Un peu, ouais. Eh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a de la compétitivité un peu. Bon, désolé, hein, vous vous entendez culer comme des gros porcs, hein, comme des gros cochons. Allez. Et je me suis bien entraîné quand même. Ouais, je vois ça, ouais. En vrai. Ah ouais, tu prends Jack. Oh putain, ça va me faire chier en plus avec Jean. Oh putain. La simplicité meurtrière contre la difficulté. Mais t'as dit qu'il faut tester tout, voilà. Hein? T'as dit qu'il faut prendre, à chaque fois un différent. Ouais, 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 j'en conviens, mais j'avais pas vu que tu l'avais choisi Jack. Mais tu vois, prends charge. Non, 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 mais j'aurais vu, j'aurais pas pris Jean, mais c'est bon, j'assume. Mais on peut changer, moi je m'en fous. Non, non, c'est bon. Ça utilise les Red Hearts, ça prend les persos comme ça, c'est bon. Non, mais t'inquiète. ma revanche sera terrible. Oh tiens. Là, ça commence. Bon, la mouche elle casse, on a une mouche là qui nous emmerde hein, depuis qu'on a commencé à faire à bouffer. Oh putain. Ah ouais, effectivement, je gère bien, ouais. Oh, mais attendez. Ah bah j'en étais sûr, je m'en doutais. Putain, mais effectivement, ouais, tu le gères bien. C'est abusé. Ah non, mais tu le gères mieux que les gens qui jouent souvent avec, hein. Ça le pire. Tu m'interceptes. Ah là 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 là. Ah, fait chier. Le coup de cité. Bon, merde. Par contre. Bon, pourquoi j'ai plus de batterie dans la manette ou quoi? Ah. Oh là là, je crois que j'ai plus d'affaires en vrai. Bon, ça va. C'est un petit combat. Ouais, je crois que j'avais plus de batterie dans la manette. Je commence à. Alors, je suis désolé, les amis. Hein, si vous avez ma voix qui saute pendant la vidéo, c'est normal. C'est que j'avais plus de batterie dans la manette. Allez, ça revanche.
Round 1. Ah, ma musique préférée de tout Tekken. Ça, c'était là pour les connaisseurs. C'est de la musique dans Tekken 3 qu'on affrontait Jin Kazama dans son dojo. Ah putain, je suis toujours mis au coup, ça craint ça. Ah non! Oh, ça c'était bien joué ça. Ça c'était bien joué. Elle va me foutre une branlée. Allez! Hey, j'essaie de vous sortir, de vous pondre un coup, mais celui-là j'ai toujours du mal à le faire. Ah putain, ça a commencé, mais c'était pas ça. Ah, c'était ça, mais à ma contrée. Hop, hop, le retour. Et voilà le coup final. Le coup, putain, c'est dommage qu'il n'y ait plus de replay. C'est mon coup préféré avec Jin Kazama et je te fous ta branlée avec. Voilà, fallait pas me défier. Hein, toute fière, hein, on va faire un Tekken. Ça y est, elle a gagné un combat avec Eddie, elle s'en fout. Bah oui, alors je suis contente, je m'en fous. Moi j'ai pas joué toute mon enfance, ok, j'ai découvert ça cette année. J'ai pas joué toute mon enfance non plus. Non, à peine à 6 ans alors. Oui, j'ai commencé à 6 ans avec Tekken 3 et Crash Bandicoot, mais j'ai joué à plein d'autres jeux. J'ai commencé à 20 ans, ok. Ouais, le duel de gonzesse. C'est à toi. Oh, c'est mignon. Par contre, je sais pas si t'as vu l'image en haut du lapin en haut à gauche. Non, t'as pas vu? Non. Il faut le PlayStation VR pour jouer en mode VR. Je te le dis au cas où si t'es pas au courant. Moi, je croyais qu'on pouvait y jouer comme ça. Regarde le lapin en haut à gauche. Oh, mais c'est sérieux. C'est classe la mienne. Bah ouais, pas personnalisé quoi. Ouais, mais plus classe. Fight. Alors, attention, c'est la grand-mère contre la petite fille. Pas du tout, elles ont pas de tienne femme. Ah, mais bien sûr que si, c'est la cousine de Jin, donc forcément c'est la même grand-mère. Hein. Ma grand-mère, mais non, mais c'est du côté de la mère de Jin, donc elle c'est du côté du père. Hein. Ça a rien à voir. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est le Kazama, je croyais Mishima. C'est pas faux. Mais... Bah, c'est une grand-mère, pas... c'est une grand-mère quand même par alliance quoi. Oh putain. Oh bah oui, bah d'accord. Allez, boum, elle est destructrice. Patate de l'espace, vas-y. Tiens. Ah, je le connais par cœur ce coup de pied. Il est trop bien ce coup de pied parce qu'il a une latence par rapport aux autres. Allez, vas-y, vas-y, enchaîne là. Putain. Non, tu ne mourras pas. Fais chier. Mais ok, ouais, il fait trois fois le même coup. Mais... Deux fois. Ouais, ok, ouais. C'est fait la première pour, ouais, pour le ça, spectacle, oui, la deuxième non, pour non, tout non, pas du tout. Le mec, il joue toujours avec les mêmes coups. Allez, laisse tomber. Quoi, toujours avec les mêmes coups. Alors là, on sent là le blanc qui s'installe. Ah putain. Ouais, mais même le chat, il est pas d'accord. Ah, ça reprend Nina. Ah, ouais, bah, ouais. Ça reprend Nina. Ouais. Mais j'y joue avec personne. Ah, si, bon, d'accord. Je change. Non, mais vas-y, vas-y. En plus, c'est marrant parce que c'est le même combat dans le. Dans l'histoire de personnages. Quand tu joues avec Devil Jin ou avec Warang. C'est à toi. Get ready for the next battle. Ah oui, j'avais personnalisé ça en plus. C'est stylé cette image. En gros, ça va chier pour ta gueule. C'est ça qu'il voulait dire. Je le maîtrise pas en plus, Warang. Ah ouais, mais c'est un des plus simples et des plus cheatés. Non, je le maîtrise pas du tout. Bah, je mets les basiques là. Je mets les petites feintes et tout le monde bien. Y'a le perroquet derrière là, Tropico là. Voilà. Alors, le Rajart le plus cheaté de tous les personnages qu'il y a. Voilà. Et encore, je trouve que ça va. En fait, il fait pas si mal que ça en.
Round two. Franchement, quand je tombe contre lui en arcade et tout, je trouve qu'il fait méchamment mal son radar. Putain, j'ai la mouche qui vient me chatouiller la main. Arrête! Putain, j'ai la mouche qui m'emmerde. Non! Mais non, c'est... Ah, c'est pas ça, je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Non, non, je voulais faire le laser. Je voulais faire le... Bon, j'ai fait le laser du coup, mais c'était pas ça que je voulais faire. Non. Voilà, je voulais faire ça. Voilà. Top. Non. Ah, le coup de poing Kamehameha n'est pas passé. J'étais en train de charger en plus. Final round. Fight. Ouh, l'enchaînement des dieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, sérieux? Il est voilà. Mais il est trop cheaté, ton personnage, ta mère. Je pourrais n'importe qui, ça changera pas. C'est le joueur qui est trop cheaté, c'est mais pas le personnage. Quoi, c'est lui qui est trop cheaté. Non, mais est-ce que t'as vu les coups que je t'ai mis? Je t'ai mis les coups les plus badass de Devil Jin, je t'ai tout pif, résumé. T'as fait ouf, t'as fait au pif. Non. Ah bah, tu sais quoi, je peux te donner le détail de tout ce que j'ai fait. Le premier enchaînement, je l'ai fait avec carré et rond combiné. Après, je suis resté appuyé sur carré et rond en même temps avec diagonale bas en arrière pour faire la toupie là. T'as mis le coup de poing dans la tronche. Et après, j'ai fait carré triangle avec diagonale bas arrière. Je suis resté appuyé, ça m'a fait le coup de poing quand même à charger. Je les connais les coups, moi. Je tape pas au pif sur la manette. Bon, mais je connais personne d'autre en personnage. Bah, tu fais ce que tu veux, t'essayes ou tu prends des coups. Si tu m'as dit Hachi, tu maîtrisais bien. Non ? Je le maîtrise pas du tout. Mais il prend encore un personnage cheaté, non, mais c'est amusé. Mais je le maîtrise pas, Kazuya. Regarde, regarde ce chat qui souffre de notre conflit là. Bon, allez. Non, je sais pas si c'est le... Non. Non. Voilà. Ah, tu veux pas, hein? Ah, tu veux pas, hein? Oui. Je voulais pas que tu l'entendrais. Mais en fait, j'essaie de voir si c'est ça pour se transformer ou quoi. Je sais plus si c'est un truc à part à faire. Putain, mais tu vas me défoncer en fait. Ah. Le classico. Ah putain. Ah, mais vas-y là. Oh! Mais c'était pas ça pour se transformer! Ouais. Attends, oh merde, je peux pas faire start. Laisse-moi faire start! Mais c'est dégueulasse! Bah, de toute façon, j'ai essayé de faire start et j'étais sûr que t'allais vouloir me foutre un coup dans la gueule, tu vois. C'est pour ça que je t'ai mis un coup, tu vois, au passage. Et je t'ai entendu appuyer. Donc ne nie pas, ne nie non, pas. Mais c'est dégueulasse que tu regardes les coups parce que moi je les connais pas les coups. Non mais je regarde juste comment on se transforme. Voilà, tiens. Pour le faux jeu. Au cas où, mais ça se trouve tu vas pas arriver à me... Bon, si tu vas y arriver. Mais c'est quoi ça? Putain, d'où il touche, il a 3 km là. Tiens. Non. Bon, j'ai réussi à transformer, c'est l'essentiel. Après, je trouve ça un petit peu con. Je trouve ça un petit peu con qu'il faut qu'il te reste 1 cm de vie pour pouvoir te transformer. Je trouve ça dommage. Après, bon, ils auraient dû mettre ça sous forme de vraiment de combinaison hyper cheatée à faire. De sorte que, bon, voilà, ça soit compliqué de se transformer quand même. Parce que quand il te reste que ça de vie, je suis désolé, tu te transformes, super, tu fais quoi? Le temps que tu te transformes, tu te prends une patate, t'es mort. Bon, j'ai réussi à me transformer, voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait, voilà, très bien, vas-y, tu changes de personnage. C'est à toi. Ah oui, merde, bon bah revanche alors. Mais t'es sérieux? Il s'est des personnages, ma revanche. Ouais, c'est bon. Round one. Fight.
Hop là, le classico. Merde, n'importe quoi. D'où tu as réussi à m'attraper? Ouais. Je vais rien dire, tu vois, pour pas faire le rageux de base, mais voilà quoi. Allez, quoi. Vol. Mais t'es sérieux là? Oh, tu me casses les couilles avec tes prises. KO. Ah bah oui, bah voilà, à un moment donné. Fight. Musique. Mais putain, mais tu vas la faire cette putain de prise! Mais c'est parce que j'appuie pour contrer. Tiens, voilà, ça tu peux pas contrer. Si, je peux, j'appuie pas sur les bonnes touches. Mais nique ta mère! Voilà. C'est dégueulasse. Ah mais c'était propre. Ah bah je t'ai bloqué un Red Jart, ouais, et franchement ouais, c'est pas évident de bloquer un Red Jart. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai. Bah allez, on s'en fait une dernière. Welcome to the King of Nina Williams. D'accord. Alors, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais te botter les fesses. Même pas, je vais prendre King, voilà. Je vais prendre King. Je le maîtrise pas. De toute façon, tu m'as vu jouer avec, je le maîtrise pas. Mais encore. Mais voilà, je vais prendre King pour changer un peu. On dirait le début d'un mauvais porno. Je suis le lion. Je suis la jeune mariée. Round one. Fight. Ah, il est stylé sa nouvelle tenue en fait à King. Oh l'esquive. Oh le coup de poing. Est-ce que c'est imperfect? Bah fais quelque chose aussi, c'est pas marrant. Mais j'ai plus de vie. Voilà. Round 2. Le petit perfect qui va bien. Bon, Non. C'était la petite dédicace pour vous les amis. Voilà. Alors. Je le maîtrise pas mais je sais faire tous ces combos par contre hein. Ah non, je peux pas faire tous non, ces combos. Non, à peine. Ah bah sélectionner les personnages hein. Heureusement j'ai dit que c'était la dernière. Non, non, ah non, mais si on se casse, je... Non non mais vas-y, on va faire un dernier. C'est vrai. Je sens que tu veux ta revanche. Allez, tu sais quoi, je vais prendre le personnage que je trouve le plus mauvais, que je trouve qui sert le plus à rien. Non, mais si, vas-y, fais ce que tu veux. Non, mais je m'en fous. Allez, je vais prendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais. Non, mais c'est bon, je vais prendre. Allez, je vais prendre Panda. Alors, Panda, alors lui, je le gère pas. Mais j'en gère aucun, moi, je gère deux ou trois comme mais ça si, à la pelle. Attends, t'as joué avec Jack, franchement. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs, parce que je trouve franchement que pour quelqu'un qui ne joue pas à Tekken, qui n'a appris à jouer à Tekken que très récemment, qui a testé que quelques personnages un petit peu à l'arrache comme ça, moi je trouve que quand elle a combattu avec Jack, c'était juste très très bon. Parce que moi je sais que personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'heures non plus avec Jack à mon actif, mais franchement avec Jack je crois que je joue moins bien que ce que t'as fait. C'est pas possible. Ah si? C'est pas ouf hein. Ah non mais c'était très bien ce que t'as fait. T'imagines pas que les coups que t'as mis c'était mieux, beaucoup mieux que le lambda syndical des gens qui jouent avec Jack 5 hein.
Enfin, c'est plus Jack 5, c'est Jack 7. Mais Jack 7. Ouais. J'ai jamais joué avec lui. Hein. Et croyeront en fait les touches, les coups de pied, c'est les esquives. C'est un boxeur. Mais je vais voir, de toute façon. Round 1. Fight. Je sais que Steve, bien géré, il est puissant. Ah, il va me faire défoncer. Oh, j'ai fait le Rage Drive. Oh, effectivement. Après, Steve, il est chiant à gérer, franchement. Au début, il est perturbant. Ah là là. Encore. Merde. Ah, j'ai pas fait exprès. C'était un réflexe, mais j'ai pas voulu. Oh, cette chorégraphie. Oh. Merde. Ah. Et voilà. Ah, pourquoi je trouve qu'il sert à rien ce personnage, c'est vraiment ses coups de pied quoi. Voilà, je me gratte les fesses. Allez, on va s'arrêter là pour les combats. Et on va passer à cette fameuse surprise, le Tekken Ball Ultime. Car oui, je suis un riche, j'ai payé pour le Season Pass. Je pense avoir des personnages supplémentaires. Et j'ai pas eu de personnages supplémentaires. Alors, Striker, c'est quoi ça? Vous devez obtenir le meilleur score avec un nombre limité de boules. Réussissez un strike ou un split sur les ki et hachi pour recevoir d'autres boules. Utiliser des keys spéciales façon Tekken, utiliser des keys normales. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en fous? Je sais pas, on va utiliser des keys normales.